Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà Fifi, elle entend le mot miracle. Bonjour tout le monde. aujourd'hui ça va être une vidéo FIMO, enfin pas FIMO, on va pas dire FIMO, on va dire pâte polymère parce que FIMO c'est une marque, mais c'est devenu un nom commun. Mais il existe plusieurs marques de pâte polymère, donc on va dire pâte polymère. Voilà, alors aujourd'hui on va faire l'exercice de la du fascicule numéro 2. Voilà, je vous montre celui là donc on va faire ça ici, le marque-page. Donc ça va être, c'est très facile, ça va être très rapide à faire. Et après, ben, on fera un petit truc ensemble que je dois faire. Un porte-clé, voilà. Je vous en dis pas plus, vous verrez après ce que je ferai. Donc, si Fifi veut bien me laisser tranquille, voilà mes mères. Non, 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 non. Voilà, c'est bien là. Alors, on va utiliser donc pour cet exercice le tant qu'à faire. Ben, le... Alors, je vais bouger un peu la caméra. Il fait encore pourri, hein, comme d'hab. La pâte, donc la FIMO, hein, puisque là, c'est la marque. C'est du numéro 63, c'est du violet. Donc pour faire ce marque-page. Donc là, il ne va pas vous falloir grand-chose. Donc il vous faut la pâte, bien sûr. Votre carrelage, hein, ou votre tapis de silicone, ou voilà, ce que vous voulez. Il va vous falloir le rouleau. Donc moi j'ai ça, ou alors comme je vous avais expliqué dans l'autre vidéo, un rouleau de un tube de l'isopaïne ou des feralgans, voilà, ça fait très bien l'affaire. La plaque de texture qui était donnée donc avec le numéro 2. Donc là on va y utiliser la texture japonaise. Voilà, donc là je sais, vous verrez pas bien peut-être sur la vidéo. Ensuite, alors soit que vous preniez du papier à carreaux ou alors un bout de papier, vous mesurez. Bon, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon petit patron. Voilà. Donc 3,5 sur 7 cm. Voilà. C'est pour savoir la taille du marque-page. Il vous faut une lame, ou un cutter, ou un scalpel, ou un couteau qui coupe bien. Sans dents, hein, comme je vous avais déjà dit, une paire de ciseaux. Il vous faut une paille. Alors, ah, ça, je l'ai pas préparé la paille, mais elles sont là, juste devant. Hop. Je vais tout tomber. Voilà. Non, Fifi, allez, s'il te plaît, va jouer avec tes copains. Donc, une paille ou alors un emporte-pièce. Voilà, comme ça. Ça, c'est un vieux manche de scalpel que je garde aussi pour faire les trous. Un emporte-pièce rond, donc ça je l'ai pas préparé, donc c'est celui qui avait dans le numéro 1. On va prendre celui là un tapis de cuisson, un cure-dent, le ruban, du fil nylon, du vernis. Alors on va commencer. Alors je vais bouger la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc j'ai ma lame, j'ai ma pâte, j'ai mon rouleau, j'ai tout ce qu'il faut à côté de moi. On y va. Donc il me faut deux lignes de pâte FIMO. On va en couper la moitié. Voilà. On laisse le reste de côté et on va travailler notre pâte comme d'habitude.
Me revoilà. Alors, on travaille la pâte pour la chauffer. Donc, le fait de la chauffer, ça va assouplir votre pâte. Elle sera beaucoup plus facile à travailler. De toute façon, si vous ne faites pas, vous ne pourriez pas travailler votre pâte. Donc, c'est pas compliqué. Alors, voilà. Et maintenant, on va étaler notre pâte avec le rouleau. Normalement, ça devrait être bon. Bon, à peu près. Hop. Ouais, ça c'est bon. Alors, maintenant, on va prendre notre pâte à texture, notre plaque de texture, voilà. Et on va la poser sur la pâte Fimo. Alors, soit vous appuyez à la main ou vous donnez un petit coup de rouleau. Voilà. Pour que le dessin se marque bien. Donc on n'oublie pas de laver ces plaques de texture après. Donc une fois que... Alors je vais essayer de vous montrer, mais je ne sais pas si à la caméra vous verrez bien. Voilà. Voyez. Donc on met son petit patron. Voilà. Et on va couper tout autour. Il vous reste à enlever le patron. Voilà. Donc la pâte, là, on va en avoir besoin pour faire la perle. Ah bah non, 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 c'est bon. Excusez-moi. Quand je vous le dis qu'aujourd'hui, ça va pas trop. Alors, ici, on va prendre au milieu. Voilà. Et on va faire le trou pour faire passer, voilà, pour faire passer le ruban par la suite. Votre plaque est prête, voilà. Donc moi je vais lui faire une petite chose en plus pour vous montrer comment on utilise la poudre Fimo que je vous ai montré la dernière fois. Voilà. On prend un pinceau. Donc moi j'en mets un peu dans mon... Voilà. Je mets ça dans le bouchon. Vous voyez? Donc là j'ai choisi l'or. Et voilà. Moi je vais en mettre un peu. Voilà. Ce qui va faire ressortir les dessins. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on voit plus le violet. Mais bon, mais moi je préfère. Voilà, donc à faire. Ça fait plus chic. Donc, je vais vous montrer après hein, ce que ça fait. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en haut hein, si vous voulez. On va pas aller jusqu'en haut, on va faire comme si voilà. Hop. On s'en servira après pour la perle certainement, mais par contre je referme parce qu'avec Fifi dans les parages c'est plus prudent. Voilà, alors je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous voyez,
Et donc ça, on va pouvoir le cuire comme ça. Alors voilà, elle est dans ma plaque de cuisson pour après. Là, j'ai préparé une boule de papier d'alu. Voilà. On fait un petit socle. Voilà, une petite boule comme ça. Ce qui va permettre de... Hop, avec un cure-dent pour faire cuire ma perle. Alors, ils veulent que l'on découpe un cercle de 2,5 cm. Voilà. Donc, je chauffe ma pâte. Alors, est-ce que ça... Normalement, je pense que oui, ça doit faire 2,5 cm. Ouais, 3 cm. Bon. On va faire avec. Hein. Donc, je prépare ma pâte. J'enlève le surplus. Je récupère les 2,5 cm de pâte. Alors, le plus difficile, c'est de la faire ronde. Mais là, ça va. Alors, moi, je vais prendre mon truc pour percer. Voilà. Mais vous pouvez le faire avec un cure-dent. Donc, par contre, voilà, voyez, hop. Et ben, je vais faire comme pour faire un rappel, je vais mettre un peu de poudre dorée dessus. Hop là, oui. Faire cuire sans mon socle, j'ai pas pensé que le trou serait plus gros. Voilà, et voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne. Alors, quand il fait chaud, bah, la pâte bouge un peu, mais bon. Ouais. Voilà, donc ce que vous avez, il n'y a plus qu'à mettre à cuire et on se retrouve après. Donc, cuisson au four, bien sûr, à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc pendant, voilà, j'ai mis à cuire dans le four, donc pendant que ça va cuire, donc une demi-heure, on va attaquer le porte-clés. Voilà. Alors pour le porte-clés, il va me falloir du noir, du marron, du beige, ou enfin la couleur que vous voulez. Moi j'ai choisi du or, de l'or. Voilà. Donc là j'en ai un bout d'entamé. Un peu de blanc. Du rose ou du violet, voilà. Et je crois qu'il me reste un bout de rose dans ma pâte beurre. Voilà, ça me suffira normalement. Donc c'est là, celle-là, c'est la Studio Ball Sculpted. Voilà, celle-là. Je pense que j'ai pas besoin d'autres couleurs, non. De toute façon, j'ai mes autres couleurs à côté de moi si j'ai besoin. Voilà. Alors, on va faire un porte-clés. Donc, celles qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram ou Pinterest ont peut-être déjà vu. C'est un porte-clés. C'était le porte-clés de rentrée scolaire que j'avais fait pour mes petits-enfants. Et là, on m'en avait demandé un, donc bah, je vais le faire en même temps. Il serait temps parce que depuis le temps qu'on me l'a demandé. Et donc voilà, je vais vous montrer les étapes à suivre pour faire ce porte-clés. Alors, d'abord, non, je vais prendre celle qui est entamée. Je vais prendre la dorée, donc la dorée, la marron, la noire, la bleu marine, la couleur que vous choisirez. Hein, ça, c'est pas un problème.
Je regarde en même temps mon ordinateur parce que ce matin ça rame comme d'hab. Voilà. Donc je vais prendre deux traits. Donc là vous voyez, c'est les gros pains, les pains normaux, donc on a les traits. Alors là on a les traits parce que c'est la c'est l'ancien modèle, on va dire. Donc c'est la Fimo Effect. Et le numéro de référence, c'est Metallic Gold, or, c'est le numéro 11. Voilà. Et là, j'ai le même, vous voyez, mais il est en deux pains. Voilà. Donc, j'ai pas les traits au milieu, mais bon, ça va. Alors, donc, je vais commencer à travailler une des pâtes. Donc on chauffe bien la pâte dans ses mains. L'effet est un petit peu plus dur, bon pas comme la classique. Hein. Et là, je viens de commander, ben, hier, j'ai recommandé de la pâte polymère. Je cherche le nom de la marque. Je cherche le nom de la marque. Alors j'ai commandé sur Créomax la cernite, voilà, je savais même plus ce que j'avais commandé. Donc en ce moment sur Créomax il y a une promotion sur les pains de cernite. Ils font pas la fimo hein, chez eux, donc ils sont à 1 €. Ce que je vais faire, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la boutique, et également je vous mettrai mon email. Donc c'est pas celui d'habitude, donc ferai attention, je me suis trompée, j'ai mis mon autre email. Comme ça je peux vous parrainer et ça vous fera gagner 5 € tout de suite sur votre première commande. Donc c'est intéressant, et donc voilà, donc l'idéal c'est de vous allez sur le site, vous faites d'abord votre inscription. Dans l'inscription on va vous demander l'email du parrain, donc le parrain c'est moi logiquement, et donc après, une fois que vous vous êtes enregistré, ben, vous pouvez faire votre commande. Et vous allez rechercher le code pour retirer les 5 € dans votre... Alors c'est marqué, mais réduction parrainage ou un truc comme ça. Et donc vous aurez le code pour déduire les 5 € de votre commande. Voilà. Donc je vous dis, les pains de cernite, ils sont donc à 5 €. Moi pour 10 pains, la commande avec les frais de port était de 15,50 €. Les frais de port étaient un peu élevés. Mais du coup, comme j'ai eu 5 € de réduction par rapport à un parrainage que j'ai fait avec une amie, ma commande, c'est comme si j'avais eu les frais de port gratuits. Ma commande est revenue à 10,50 €. Voilà. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, ici, j'ai aplati ma pâte dorée. Donc je vous dis, pour vous, c'est soit en marron, ou si vous avez choisi de dorer, ben, tant mieux. Voilà. Donc là, elle peut être fine, hein, c'est pas un problème, puisqu'elle va recouvrir un autre morceau de pâte. Alors, là, on va, donc moi je fais, là je fais à vue de nez, j'ai pas pris les mesures, mais... donc on va faire un grand rectangle. Oups là, voilà. Donc j'espère que ça va aller, que ça va suffire. Ça, on ne
On jette pas, hein, bien sûr, on va en avoir besoin encore après, de toute façon. Alors, je vais décoller déjà. Hop là, voilà, mon rectangle. Je laisse de côté pour l'instant. Et je vais travailler ma pâte rose. Alors, vous travaillez la pâte que vous voulez. Là, on va faire un cartable. Donc, moi, mon cartable va être doré et rose. Mais vous faites la couleur que vous voulez, hein, voilà. Allez, on chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Alors, sur ce porte-clés, il va y avoir le cartable, le petit livre et l'ardoise. Voilà. Et après, lorsqu'on fera le montage, il y aura des perles ou des charmes, ou il y aura du ruban, voilà. Alors là, c'est une vieille pâte, donc j'ai un peu plus de mal. Mais bon, il n'y a pas, il faut que je l'utilise. Allez, 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 on y va, on y va, on y va, on chauffe. Voilà, donc j'ai ma petite boule. Bon, même si il y a des petites traces, là, c'est rien, parce qu'on les verra pas beaucoup. Je profite pour donner un coup sur mon rouleau, pour pas qu'il y ait de transfert de pâte. Et on va aplatir, mais alors pas beaucoup, là, parce qu'il faut quand même avoir l'épaisseur du cartable. Voilà. Pas le faire trop gros, mais pas le faire trop trop plat non plus. Donc vous voyez, moi j'ai fait une épaisseur comme ça, ça me suffit. Et là, alors on va se mettre devant pour couper la même largeur. Donc là, on coupe la même largeur que le premier rectangle. Et là, donc, on va refaire un rectangle. Voilà. Madame, elle est là. Donc voilà ce qu'on obtient. Un rectangle épais. Voilà. Donc ici le rectangle, on va le poser. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Alors, peut-être que si je fais comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc on va le poser. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que ça, voilà, hop, voyez, c'est ici, pour qu'on puisse recouvrir entièrement le, donc même un petit peu plus, c'est pas un problème, voilà, pour qu'on puisse recouvrir donc l'intérieur du cartable. Ensuite, vous allez soulever votre pâte, voilà, comme ça. Et voilà, donc là, vous avez déjà une partie du cartable, vous voyez. Et vous allez, hop, refermer avec le dessus. Voilà ce que vous avez. Donc là, on peut aplatir, bien sûr. Et voilà. Bon, un cartable, c'est jamais vraiment très très droit, hein. Voilà. Ensuite, parce qu'on n'a pas fini, hein.
J'ai goûté ma soupe, elle est chaude. On va devoir faire des petites poches et le petit manche, la petite poignée. Donc on va faire un boudin. On cherche ça. Ah ben attendez, je vais peut-être prendre mon scalpel en même temps, voilà. De ce côté-là. Donc ça, ce sera la petite poignée. Donc on peut aplatir un petit peu. Voilà. On va reprendre un peu de doré. Donc on retravaille. Hein. Voilà. Que l'on va mettre en boule. Alors moi je sais pas je sais pas faire les boules avec les deux mains en même temps, comme j'ai que c'est surtout ma main gauche qui travaille. Voilà. Et la deuxième. Hop. Donc voilà, alors ici, voilà. Je vais prendre ça, voilà, c'est pareil, hein, vous pouvez prendre un cure-dent. Hein. Alors, je vais faire un trou dans le milieu. Voilà. Voilà, voyez. Et ça, ça va venir au-dessus du cartable, voilà, pour faire la petite poignée. Donc, alors moi, ce que je vais faire, comme j'aime bien, je vais mettre une petite pointe de fimo liquide pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Ah, je le mets à l'envers. Voilà. Et alors je vais peut-être refaire un peu plus fin. Et là, je vais mettre ma petite poignée. Une petite pointe de fimo liquide. De l'autre côté. Bon alors, tu tiens ou tu tiens pas? Voilà.
Voilà. Donc. Ensuite, on va faire les petites poches. Donc, on va avoir besoin du doré. Alors, on va aplatir. Là, on va couper. Donc, on va aplatir un peu. Voilà. On va couper deux carrés identiques. Enfin, deux carrés. Deux petits entre carrés et rectangles. Voilà. De côté pour l'instant. Ah, mais viens ici, toi. On va les retravailler un peu après. Voilà. Donc, on laisse le doré de côté pour l'instant. Et on va prendre un petit bout de rose. Donc on fait chauffer. Hein. Vous voyez, celle-ci, comme elle commence à être vieille, plus on la travaille, plus c'est difficile parce qu'elle commence à se fondre. Et bon. Ça va aller. Alors ici, pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur, on va aplatir. Voilà. Et on va couper deux rectangles pour faire les poches. On va pas faire trop grand hein, parce que et voilà ces petits carrés, donc petits carrés et rectangles, on va les poser ici sur le cartable. J'ai la tremblote. Voilà. Le deuxième. Ah, j'ai Jerry qui grosse pète. Jerry! Il a dû voir un toutou à la fenêtre. Donc voilà. Bon, c'est pas. Je vous le dis, là, comme j'ai la tremblote, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais ça va. Alors ici, on va poser comme, si c'était des petites fermetures. Hein. Voilà. J'arrondis un tout petit peu les bords pour voilà. Bon, je trouve que c'est encore trop épais. Donc. Allez, on redonne un petit coup. Non, 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 Fifi. Non, 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 mais merde. Non. Alors, en fin de compte, je préfère quand c'est arrondi. Voilà. Et
coup je vais couper ça en deux. Et voilà, on va poser ça sur les poches. Comme ça, on pense que c'est des petites fermetures. Voilà, un petit peu qui est en trop. Ah, ça colle. Et voilà. Donc ici, on va faire des petites décorations. Alors, j'en ai des plus fins. Là, pareil, hein, vous pouvez faire avec un cure-dent ou là, moi, je utilisais ça. Voilà. Et je vais faire comme si... Voilà. Pareil, donc sur le cartable. Pour faire comme s'il y avait des coutures. Vous avez, qu'est-ce qu'ils ont à grogner aujourd'hui? Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Alors attendez. Voilà, le petit cartable. Alors là, on peut aussi un peu faire des lignes, voilà, comme si c'était un peu usé, et voilà. Donc ça, c'est le cartable. Alors je le mets sur la plaque pour la cuisson après, voilà, puisque là on va tout faire cuire en même temps, hein. On va pas s'embêter à... Alors il va me falloir du doré, parce que maintenant on va faire le livre. Donc le rose, on va l'utiliser après. Non, non, Fifi, tu peux pas. C'est pas bon, c'est caca. Alors, le livre. Je vais mettre ma plaque. On chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Chauffe Marcel. Alors, voilà. On va faire un grand rectangle, pas trop épais. Voilà. Bon, on fait un rectangle, donc là pas trop grand, hein, parce qu'on va pas trop charger le porte-clés. Et voilà. Donc là on a notre premier rectangle. Oups. Que l'on met de côté, à la couverture du livre. Alors l'intérieur du livre, vous pouvez le faire blanc, noir, là moi je le refais rose comme le cartable. Voilà, donc normalement j'aurai assez à moitié, je pense.
Donc là, on va pas le faire trop fin, parce que c'est quand même un livre. Hein. Et comme tout à l'heure, donc on va prendre la même taille que la couverture. Hop. Hop. Voilà. Et là, par contre, il faut mesurer donc à peu près la moitié du livre. Donc, on va poser sur la couverture, bien sûr. Donc, pas tout à fait au bord, hein, puisque les couvertures de livres, elles sont toujours... comment? Sont toujours un petit peu plus large que les feuilles, et on va faire glisser donc la couverture du dessus, voilà, par-dessus le livre. Voilà, donc là on laisse un peu arrondi sur le côté. Là, je vais remettre un petit peu comme une étiquette. Pareil, vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc, pas faire trop épais. Donc, on va faire un petit rectangle. Et on va venir la mettre sur le livre. J'ai une petite déco comme ça. Voilà, votre livre est fait. Vous voyez, ça va très très vite. Madame, elle est là. Donc pareil, là vous allez avec une pointe. Là comme c'est un livre marqué les pages. Bon là c'est vraiment pour aller dans le détail, hein, mais bon. Alors une chose que j'ai oubliée, c'est de passer les pitons. Donc là je vais le passer tout de suite. Alors mes petits pitons, ils doivent, alors donc voilà mon piton. On verra pas bien, hein, ça va être flou, mais bon. Voilà. Pour le livre, c'est fait. Et non, 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 Fifi, ne joue pas avec ça. Donc, on va la mettre sur ma plaque de cuisson. Voilà. Et du coup, je vais mettre un petit piton sur le cartable. Non, tu ne peux pas manger ça, c'est pas bon. Va manger ta gamelle. Ta gamelle, c'est meilleur. Vas-y, bois ma soupe. Maintenant, je veux boire ma soupe. Ah, là, 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 ce chat. Non. Pareil, hop. Et voilà. Allez, maintenant. Dernière chose,
Donc le rose, je n'en aurai plus besoin. J'ai encore besoin du doré. Le doré ici va nous servir pour faire l'ardoise. Et donc il nous faudra du noir, bien sûr. Regardez si j'en ai assez, mais ouais, ça devrait aller. Voilà. Donc, une ardoise, bah, c'est rectangulaire. Donc, on recoupe un rectangle. Alors là, par contre, le faites pas trop petit. Essayez de faire quand même... en adéquation avec le cartable et la, mais parce que on va écrire dessus, enfin, vous ne serez pas obligé d'en écrire, mais moi je vais écrire le prénom de la personne dessus, donc voilà, il ne faut pas la faire trop petite. Voilà, alors maintenant je vais prendre du noir pour faire le fond de l'ardoise. Voilà. Je suis en train de penser un truc que je crois que c'est pas comme ça que je faisais. Bon, ça y est, je vais d'abord faire mon fond d'ardoise en noir. Voilà. Donc il n'en faut pas énormément. Hein. Alors vous voyez pourquoi j'ai fait l'ardoise en dernier. Parce que ben, j'utilise le noir et là j'ai fait une bêtise. J'ai pas essuyé mes mains. Donc j'ai du doré sur ma pâte. Mince. Bon, ça fait rien. Ça donnera un petit genre. Allez, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Donc là, j'ai utilisé la professionnelle pour le noir. Donc faut pas être professionnel pour en avoir. Hein. On la vend, elle est vendue partout aussi. Ouais, ça donne un petit reflet doré. Bon, ça ira. Ouais, je suis en train de réfléchir parce que j'avais fait un carré doré, mais non, l'ardoise, c'est noir des deux côtés. Mais c'est rien. Voilà, ça va se corriger très vite. Donc, hop, je fais mon petit rectangle. Alors là, comme il y a eu du doré un peu sur la pâte, je ne vais pas la remettre dans mon pain de fimo noir. Je vais la mettre dans ma pâte Burke pour une prochaine fois. Voilà. Donc, mon petit rectangle. Voilà. Hop. Ah, j'entends que mon facteur est là. Va-t-il me ramener mais ce que j'attends de chez AliExpress? J'aimerais bien. Voilà. Hop. Et voilà, ma petite ardoise. Alors, du coup, maintenant, je reprends ma pâte dorée. Je vais essuyer mes mains, parce que là, comme j'ai fait du noir, ça va pas le faire. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je retravaille ma dorée. Oh là là, mon ventre, il gargouille. Pas pourquoi. Je mange pas d'habitude le midi. Enfin, hier midi ici, parce qu'on était dimanche. Je fais couscous, couscous maison. J'aime bien. Plus économique, vous en avez au moins pour 2 jours minimum. Parce que nous on est à 2 à la maison, mais moi je fais toujours à manger pour un régiment. Je sais pas vous, mais moi je suis toujours à manger pour un régiment. Alors voilà, j'ai mon petit boudin. Il y a une chanson hein, comme ça, petit boudin. Voilà, et je vais passer tout autour. Voilà.
Voilà, comme ça, j'ai mon ardoise. Je coupe ceux qui ont trop. Et là, je vais... Alors, pour pas qu'on voit une démarcation, voilà. Vous pouvez avec soit avec vos doigts ou un cordon, vous voyez, vous aplatissez un peu. Voilà. Alors ici, par contre, je ne mets. Alors je n'ai pas mis de piton. Je vais faire pareil. Avec quoi je vais faire ça? Bah, alors ça. Là, je fais un trou dans le coin. Alors voilà. Et je mettrai un anneau, voilà. Donc je vous montre ma petite ardoise, voilà. Hop. Voilà, et donc quand ce sera cuit, on va écrire dessus avec un stylo Posca. Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre à cuire. Mais avant, dernière chose, je vais utiliser un peu mes pâtes, les petits bouts de pâte qu'il me reste. Voilà, alors je vais vous montrer, je vais faire une perle ou deux, comme ça, ça ira avec comment, avec notre ensemble. Alors, je fais une boule dorée. Enfin, ma boule n'est pas très boule, hein, mais c'est rien. De toute façon, je vais faire des boudins. Une rouge. Et un peu de noir. Pour finir. Du coup, comme ça, mon noir n'ira pas dans ma pâte Burke. Voilà, mes trois petites boules. Et je vais faire des boudins. Voilà. Donc, vous avez trois boudins. Donc, vous allez les réunir. Voilà. Bon, vous pouvez couper un pour que ce soit la même longueur, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Hop, voilà. Ça ira dans la pâte Burke. Et maintenant, on va prendre donc ces trois boudins. Et on va d'abord les tourner comme un serpentin. Pour faire comme un, comment on appelle ça, vous savez, les sucres d'orge. Voilà. Hop. On va plier en deux et puis on continue à faire un sucre d'orge. Voilà. Et on fait un boudin. Vous voyez déjà l'effet que ça donne. Oui. Alors on va pas faire trop pour pas que les couleurs ne se mélangent trop. Donc on refait juste un boudin, voilà. Et là, je vais faire une boule. Voilà, voyez. Donc là, on va refaire un boudin pour couper nos perles. Donc alors, je vais vouloir une perle. Oui, voilà ce que ça fait à l'intérieur. Et ça fait joli, hein. Voilà. Hop, on va faire trois perles. Alors, je vais couper en deux. Les effets qu'on va avoir,
Et ce qui fait qu'on va retrouver du coup nos couleurs. Et voilà, mes bouboules. Je vous montre. Mais c'est joli, hein? Et ça permet d'utiliser le reste de sa pâte. Alors, on va les percer. Voilà. Voyez? Voilà. Je vais prendre des cure-dents. Et voilà, vous voyez comme ça, elles peuvent cuire sans bouger. Allez, on se retrouve tout de suite. Avant, je vous montre que là, voilà, ma plaque, elle est cuite. Vous voyez, bon, elle s'est un peu déformée à cause de la chaleur, mais bon, ça lui donne un genre, c'est rien. Voilà, donc il me reste à la vernir et à mettre le ruban. Donc on va faire ça tout de suite après. Là, je vais mettre à cuire la fournée. Pour le porte-clés, à tout de suite. Donc voilà, pendant que pour le porte-clés, aidez-moi, est en train de cuire. Voilà, on va faire le montage donc, du marque-page. Alors là, je remarque que c'est pas du tout droit, mais bon, c'est rien. Ça, je vous dis, ça me donne un petit genre. Donc, là, on utilise le ruban qui avait, dans le numéro 1. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez en prendre un autre. Donc, on va le passer dans le trou, tout simplement. Voilà. On va passer dans la perle. Alors là, c'est notre perle manche. Plutôt m'aider d'un cure-dent. Voilà. Un morceau passé, il faut passer le deuxième. Et voilà. Alors, pourquoi il voulait que l'on du fil nylon? Alors, prenez 20 cm environ de fil nylon, pliez-le en deux et passez le ruban dans la boucle ainsi formée. Insérez le fil nylon dans la perle et faites-le ressortir. Cela entraîne le ruban et la perle. Ah oui, d'accord, oui, bah, oui, bah, moi j'ai fait comme ça. Alors, voilà. Alors, par contre, moi, ce que je vais faire, alors, déjà, faut que les deux soient à la même longueur, voilà, ce que j'aurais dû faire avant, je vais faire un nœud, bon, on va voir si ça fonctionne. Alors, on fait d'abord un nœud, au bout, voilà, alors, vous voyez, c'est pour éviter que la perle se sauve. Alors moi par contre je vais refaire un nœud. Alors je vais essayer, j'aurais dû le faire avant parce que justement moi je veux pas que la perle elle se balade de partout. Voilà, j'y suis, et voilà, vous voyez, comme ça la perle elle va pas bouger, elle reste à sa place. Et voilà votre marque-page. Bon, ça casse pas on va dire, ça casse pas des briques, hein. Mais bon, donc voilà, donc là un petit coup de briquet au bout pour éviter que ça s'effiloche. Vous pouvez le vernir si vous voulez, hein. Si vous voulez pas, bah, vous laissez comme ça.
Mais voilà, donc vous avez votre marque-page. Bon, c'est pour vous faire la main, hein. C'est pour apprendre à travailler la fimo, parce que bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais donc voilà, je vous montre un peu plus. Voilà, voyez. Bon là, vous l'avez, je vous montre un peu à l'envers. Hop là, désolé, ça bouge. Voilà, bah non, vous l'avez toujours dans le même sens. Donc voilà, votre marque-page. Bon. Ça va. Hop là, attention, ça bouge, ça bouge. Voilà. Donc, on a fini le marque-page. L'exercice d'après, pendant que ça cuit, c'était une paire de boucles d'oreilles. Et donc, ça vous montre justement la technique que je viens de faire avec les perles pour le porte-clés. D'entortiller des morceaux de pâte de différentes couleurs pour faire du marbré. Donc, on refera ensemble si vous le souhaitez. Je vous montrerai ce que ça donne. Puisque là, c'est une technique de marbré. Mais en plus, on va faire un boudin, on va couper des tranches. Et on va coller les tranches sur, sur la boule. Et ce qui donnera un motif encore beaucoup plus marbré. Voilà. Mais bon, je vous referai à l'occasion. Je vous en ferai d'autres. Bon, bah voilà, mon marque-page. Il me fait trop marrer. Mais bon, ça va. Allez, on revient tout de suite donc pour finir ce porte-clés. A tout de suite. Donc voilà, mes éléments pour le porte-clés sont cuits. Là, ils sont encore chauds. Hein. Donc, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez les vernir si vous le souhaitez ou ne pas les vernir. Les vernir en mat, en brillant, faites comme vous voulez. Là, moi, je vais les vernir après. Je vais vous montrer le montage d'abord et je referai après par la suite pour moi. Le vernissage. Voilà. Alors, le montage. Il va vous falloir un bout de chaîne. Un porte-clés. Voilà. Donc, moi, j'ai rajouté un double anneau. Ensuite, bah, des breloques. Enfin, voilà, je vais mettre une étoile en plus. Voilà. Je vais mettre du ruban. Donc des griffes pour ruban, voilà comme ça. Et ensuite des anneaux, des tiges. Et puis bon là j'ai pris quelques petites perles si je vais voir si je vais en mettre. Voilà, donc je vais regarder si c'est encore chaud. Oui, donc pour l'instant comme c'est encore chaud, on va s'occuper du ruban. Voilà. Alors, on va prendre du rose. Alors, un rose plus soutenu, peut-être, pour faire par rapport. Oui, celui-là. Non. Puisque après, je vais lui mettre aussi un petit nœud. Donc, ça, c'est les rubans qu'on achète à Action. Hein. Rappelez. Alors, moi, Action, pour l'instant, bah, je suis punie. comme je sais plus si je vous l'avais dit, ma voiture est en panne, donc ce qui veut dire que ben, je ne peux plus aller à Action. Donc bon, tant pis, on fera avec. Alors je coupe un bout de ruban, voilà. Donc ça c'est pareil, on coupe à la taille que vous voulez, hein. On va prendre une griffe. Donc, par contre, qu'est-ce que je... Ah, voilà. Je vais mettre une petite goutte de colle. Pas que ça bouge.
Normalement, ça bouge pas, hein, mais bon. Donc ça, c'est de la colle spéciale pour les bijoux. Le lazulite. Oh là 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 là. Alors attends, Edith. Fais les choses dans l'ordre. Tu prends ta pince. Aujourd'hui, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Voilà. Et je me suis levée patraque, barbouillée, mes douleurs à la langue. Puis il a fallu que je me lève. Ah, crotte de bique. Il a fallu que je me lève, que je me réveille à 4 heures du matin. Parce que Fifille n'a pas trouvé mieux de venir gratter, gratter, gratter à la porte de la chambre. Donc j'ai dû me lever pour malheureusement aller la mettre dans la cuisine parce que c'était plus possible. Pas moyen de dormir. Donc voilà. Ah, de temps en temps, elle nous en fait voir, hein, Fifille. Alors, là, on va lui mettre un anneau. Alors, allez. Donc, je pense que je vais mettre. Enfin, je vous le dis, il n'y a rien qui tient. Ouais. Alors, l'anneau. Hop, ma petite pince là. Je vais peut-être vous avancer. Voilà, je vous avance. Hein. Comme ça, vous voyez mieux. J'espère que c'est pas trouble. Voilà, vous voyez. Donc on va passer le ruban et je vais passer ma breloque en même temps. Voilà. Et on referme. Oh là là. Voilà. Je vous montre. Pardon. Alors ici le ruban, on va reprendre un grand anneau qu'on va entrouvrir, voilà, et on va passer le ruban, le nœud, enfin on va passer l'anneau dans le nœud par derrière. Voilà. Donc, on ferme. Voilà. Désolé, on a une coupure. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, maintenant, il me reste à mettre un anneau sur l'ardoise. Désolée, on a eu encore une coupure, ma carte mémoire était pleine. Alors, du coup, vous ne m'avez pas vu en train d'écrire le nom, voilà. Donc, je l'ai fait avec un Posca. Et j'ai mis le petit anneau, donc pour tenir l'ardoise. Donc, on va continuer de mettre nos anneaux. Donc il m'en faut encore deux pour l'instant. Voilà. Mettre un anneau au cartable. Par contre, je vais pas les fermer tout de suite. Pour mon petit livre. Voilà. Donc maintenant on va mettre sur l'anneau. Alors je vais commencer par mettre le ruban.
le ruban avec la petite breloque. Maintenant, il va falloir couper la chaîne.